li gen tendans retounen e kreye deja la perez la kay moun yo pou pipitien. Jounen ayer gen 3 moun ki pedi la vi yo nan Port-au-Prince ak nan Pétionville. Ka ki retenu atensyon nou se propriété a maket PI national la ki mouri sarsine sou la lue li te genyen avec li madame ni et chauffeur yo même ki soti blessé vin mette sou dernier kasa guerrier côté yon proche radio a et ki et toujours nan émission Brigala rigolo monsieur mouri hier soir et c'est pas bal li mouri nan Pétionville. Oui, on dit rigolo thérapie pour moun yo pas confondre avec rigolo et junior rigolo. Ouais. Et donc c'est France Adrien Bonny qui hier t'es dans émission Brigade là comme d'habitude qui est mouri dans zone Pétionville, c'est ça information yo au fait quoi et selon information nous gagnons c'est individu à bord yon RAV 4 noir qui t'a passé et tiré li dans tête selon information yo et il était gagné avec li yon proche li maintenant ou madame li qui li même était dans commissariat Pétionville là pour capable le faire déposition donc n'a pas rien pour parler avec porte-parole la police là sous Kassa à tout à l'heure, mais en direct avec nous, Marc Brigard Anderson, qui c'est des genoux et également animateur émission canal musical côté dans espace rigolo thérapie. Donc, Franz Adrien Bonny est toujours participé et hier, il était là comme zami émission et des fois, il est intervenu dans l'émission. Brigard, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Menel, bonjour Lolo, bonjour chaque grand monde qui attend des radios à matin, bonjour chaque autre monde qui est dans le studio, parce qu'on connaît le matin, dans la première occasion, c'est toujours la tête monde qui colle les têtes ensemble, les épaules avec les épaules, pour faire journal ça possible. Bonjour Guerrier. Oui. Comment apprendre nos nouvelles ça, puisque hier Bonny était ensemble avec nous, m'a regardé tout à l'heure la vidéo, en tout cas live Facebook là côté monsieur là le tape Distrelli. Comment apprendre et qui soit gain comme information sur ça qui passé. Bon, qui t'aime tout d'abord c'est avec la mort dans l'âme que m'apprendre ça les matin en 3h, téléphone là sonne, finalement me lever comme gadi qui ça gagne. Et finalement, ce qui m'ont tombé, sous, maman Bonny, avec les larmes aux yeux, t'a expliqué que grand petit garçon lui-même, lui mourit. Bonny, c'est, j'en sais déjà le à mon introduction, c'est une ami émission, mais avant une ami émission, c'est une ami pas lié. Et donc, à comprendre que c'est comme si il y a mis un coup de couteau, d'accord. Et bon, coup de couteau, non, ça me vient de plus précieux, non, ça me vient de plus formidable en tant que moun qui qu'on a habitué à vivre à moun. Bonny, c'est Zamia. Hier, il y a deux bagailles qui marquent avec Bonny, particulièrement, c'est qu'il était dans l'émission, j'en ai dit tout à l'heure, il a passé en musique Tropicana, et il dit, oh, Greg, maman m'a aimé ça parce que papa, en tant que monocap, une maman c'est fanatique Tropicana, papa c'est fanatique Septan. Et puis t'as passé aux musiques qui l'étude a dit, côté a expliqué que on pauvre qui n'a rien, on pauvre, on riche qui n'a rien, on riche, on pauvre qui n'a rien, on pauvre tout. Et puis M. Campbell a chanté musique, ça a dit chanté musique maman. C'est son premier bagage qui rappelait hier. Deuxième bagage qui rappelait, c'était en présence de Caleb Beramo, Michel Joseph Potéon, une bouteille du vin pour nous. Et puis, Serge Gonzalez, poté clé du vin et des nouvelles. Et puis, on a boué entre nous toutes. Et puis, Bonny dit, mais c'est Jésus qui fait ça avec disciples. On dit, ben, on mangeait, on boit ensemble avec vos disciples. Donc, c'est pour nous que il y a des bagailles qui passent aux longues journées, qui ont si attiré l'attention sur peut-être Maria Gabine. Attendre à ce que Bonny, les amis, dans le frame là, ne l'aime pas là. Et nous comprenons, puisque vraiment, on était très proche de lui, parce que nous toujours ensemble, même avec toute l'équipe là. Qui a touché Marie-Land de l'école là.
Yo, monsieur, okay. Qui nous dit, bon, il sait, c'est un exercice, on a dit, simple, sans façon. Et, madame, c'était intervenu avec les larmes aux yeux, non, journal, radio, non. Et m'a préféré intervenir sur notre domaine, même pas pour me parler de la mort, pas pour me parler surtout de la mort de Boni. Et nous, on a un paquet. Jean-Mille Boni, famille Boni, qui est le matin avec, même avec, avec les larmes aux yeux. Il y a des gens qui sont inconsolables matin, hein. Même avec, Jean-Mille de l'école, le collège Belle, ensemble, monsieur. Les amis de la radio nationale, là, là, par exemple, mon d'accouffant à Mars. On connaît Stéphanie Jules, là, pour mourir matin. On connaît Rachel Léoulo. On va parler de l'autre monde qui a gagné d'autres relations avec Boni. Boni, c'est. Ça se bout en train. Boni, c'est. C'est un formidable que nous connaissons. Boni, c'est amis, maintenant. D'ailleurs, pas grand pile monde qui connaît faire Boni fâché. D'ailleurs, Boni, c'est le premier monde qui d'abord fâché tête lié avant, fâché l'arrivée sous lui. Et il y a encore avec Docteur Guerrier, il y a encore avec Docteur Véli-Jacques, et n'a parlé de Géveron. On connaît M. Géveron, c'est le premier monde qui peut proposer d'être comme mannequin de vieux palais de Géveron en Haïti. Donc, c'est cette force qui est partie, c'est cette amitié qui est partie. D'accord. Ce compagnon qui est parti, donc c'est ce Boni là, ce Franz-Adrien Boni, ils ont parti dans le canal musical, ils ont parti dans l'amitié qui est telle, vous comprenez ça. Voilà, merci Greg, nous sommes obligés de comprendre ces situations. Donc, merci en pile. On après à regarder si nous avons parlé peut-être en l'autre proche sous ce qui passé, ou bien regarder si nous avons joint le porte-parole PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, qui nous a parlé à lui tout à l'heure, mais qui après à chercher plus d'informations. Mais merci en pile, Greg, merci en pile. Qui est après à la chercher plus d'informations pour nous concernant l'assassinat Franz-Adrien Boni hier soir. Ouais, puis bonheur dans journée ailleurs, qui bandit à exam, moun pa yve identifié qui t'a circulé à bord motocyclette était tout yakbal homme d'affaires Michel Saé, et puis blessé madame Niak Chauffeul. Carl Michel, victime yote à bord yon pick-up Isuzu couleur marron immatriculé BB 46-220. D'après porte-parole en après police nationale la taxa fait oui na mi-temps journée hier jeudi à Sainte-Ville Port-au-Prince sous machine victime nan nous gagnons avec nous porte-parole police nationale là Gary Desrosiers concernant et crime ça porte-parole bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, bonjour tout auditrice Radio Caraïbes. Effectivement, et j'en décris la situation, c'est exactement ça lié. Et seulement on a dit que après ça a fini, malheureusement, et incident ça a fini passé, malheureusement, et il y a tout à fait la vie de paix, côté que le constater qu'il y a plusieurs impacts balles sur le véhicule côté que nous avons. Et pour le moment, deux l'autre nous apprend sur l'hôpital et nous espérons que ceci de situation est à savoir. Madame et chauffeur, madame qui prend balle en main, et puis chauffeur qui était qui a peine touché la tête et selon sa lien comme détail. Et nous, pour couvrir avant tout le propre, parce que gagné et service d'investigation commissaire de Port-au-Prince qui était fait premier, qui a démarré premier le mandat 4 ans et qui parle au niveau SDPJ. Et qui trouvait l'INA et DDO, et ils ont approfondi en fait là au niveau de la police et judiciaire. Et qui côté exactement au niveau de la lue, hein, Mounio Mouria? Et ça fait dans une zone porte marchand, et tout près, ils ont pharmacie, je crois qu'il est pharma, et pharmacie au wagon. Donc, il y a dit, Bandi, il était tiré en pile pour y'a été jeune route pour sortir au point que y'a été descendre jusqu'à rue des casernes. Est-ce que, alors, quatre mouns en bon moto, pas gain arrestation qui fait? Et généralement, les bandits, ils ont fait action sérieuse, ils utilisent la mienne pour être capable de créer panique, et les paniques sont créées, il y a une possibilité pour sortir. Mais pour le moment, pas gain arrestation, j'en ai là, et il y a une certification qui
et pratiquement au bout de l'enquête criminelle. Donc nous au courant pour seulement journée hier, c'est trois mondes qui mourir et qui a gagné plus que nous-mêmes nous pas connaît ça et montrer que gagnons évolution dans la situation au niveau de la police là, qui ça dit nous et qui garantit qu'une cabaye mounio puisque depuis gagne monde qui a mourir dans la rue monde peut sortir. Alors m'a dit que comme on dit trois mondes information hier là est pratiquement quitté autour de cette station c'était un malheureux ça qui produit au niveau de ce marchand. Bon, c'était un capable de l'autre, et c'était une bataille espérée, mais on va gagner deux mille pour l'autre. Mais c'est une situation qui est inquiétante parce que tout le monde. Et tant que nous mourons, et ça lui crée un fardeau. Notre société, il touche tout le monde, toute famille, voire deux, trois. Et la police, de côté palier, toujours, justement, après ce travail palier en fonction de moyens, qu'elle gagne. Mais j'aime toujours dire, hein, et non plutôt qu'une partie doit avoir une responsabilité, non, malgré situation, malgré au niveau effectif, malgré au niveau matériel, j'aime toujours dire ça, parce que sans matériel et avec un code effectif, les cartes pas trop facile pour que nous restions présents partout. Mais que tout est fait pour ça. Mais gagner et surtout l'autre secteur qui fait partie de la forme, ça connaît les sécurités du déclin, et nous toujours fait appel à collaboration. Et c'est certain que au niveau du structure judiciaire, notre travail pour nous monter à mouvement des criminaux et d'être des pollutions et notre population courant, comme d'habitude. Merci beaucoup, porte-parole Gary Desrosiers, inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole en après police nationale Lanceau. Incident ça y est, qui est arrivé dans Port-au-Prince hier, plusieurs attaques et qui la cause pour Pipiti. Trois mounes perdu la vie. Yo. Premier, c'est Michel Saé, c'est propriétaire maquette PI National. Là, ça a passé gros la journée sous la lue, Port-au-Prince et Pita. Dans la nuit, après elle gagné Boni, oui, Boni, une proche émission rigolo, thérapie brigade animée sur Radio Caraïbes qui mourit, et sans compter l'autre citoyen, Nene Bobo, qui sur l'information non gagné qui fait et habite dans la zone marché Salomon, mais qui tape vivre au Canada tout, donc Bondi t'a tué, mais n'a pas gagné trop d'informations sur lieu ça arriver, donc toujours hier, donc environ trois monde qui mourit et deux autres qui blessés. Et parmi eux, je nous dis, France Adrien Boni, ils ont mis émission rigolo thérapie, donc qui était là hier après-midi, pendant toute soirée également, hein, qui était dans Chavannes, qui mourit. Et Juninho, et qui t'a essayé de garder, s'il t'a permettre que monde qui oui ouais et image dit parce que monde qui a dit pas ouais qui est donc pour ça qui passait hier soir donc côté bandit selon voilà information nous gagnons qui était à bord yon RAV 4 noir tiré dans tête France Adrien Boni ça passait dans zone Monchise hier soir. L'autre information dans le journal, inauguration, bâtiment académique, tout neuf, faculté sciences humaines qui était frappé dans le tremblement de terre 12 janvier, par arrivée faite jeudi, Jean Saint est annoncé. Activité, ça a reporté à cause étudiants au campé en croix contre toute éventuelle présence officielle dans la cérémonie ça pour Xmoué Kwaleyo, protestataire, été bloqué tout accès à la faculté. Un reportage, Jean-Paul Lundi. Caoutchouc cap boulé, bourroche, branche pied-bois, circulation machine presque impraticable sous route ça. Nous n'avons Christophe. Dès qu'on ça, c'est travail yon groupe étudiant faculté sciences humaines pour bloquer accès route qui mène nan fache. Gagné cap frappé bien fort sous plusieurs barrières dans zone là. Bria sonné tant que c'est un concert castrol. Étudiants sa yo sous béton, alors que en dan faculté a gen préparatif k'ap fèt pour cérémonie inauguration local académique faculté a qui réparé après 10 l'année rivé fait. Protestataire yo refusé accepter pour président Jovenel Moïse
ta mette point de pied dans cérémonie. Nèg yo décidé, y a mené Jovenel là. Yo dit nous même c'est occasion pour nous camper. Là Jovenel Moïse, c'est dans prison. Ou étudiant yo chef l'état, c'est un indésirable. Mais c'est pas seul monde yo mette sous liste là. Protestataire longe droite yo tout sous directeur général Bureau monétisation aide à développement. Yo reproché Ignace Saint-Flair parce que la baigné dans corruption. Dès que bien pas là nous connaît nos cités dans question corruption. Tout le monde qui gagne au trempe dans question non seulement Petro Caribé mais qu'a prononcé de décision arbitraire nous même nous décider camper contre ça. Donc c'est ça qu'on ouais nous masser là pour nous tendre et monde ça. Si nous pas demander au compte nous ouais bon là nous pas censé faire et c'est tant n'a tendre et puis pour connaître ça qu'a passé. Mandé règlement. C'est ça étudiant vous voulez faire. Yo dit mauvaise gestion, yon l'argent qui t'a pour faire travail dans université a, ça concerne yo. Dans Zepa yo, recteur Fritz des hommes pas fin trop droite. Des hommes pas filé espace la ville des ressources humaines. Nous pas légitimer corruption dans université. Nous pas légitimer moun qui volent dans université. Sous mon dernier rapport qui fait des sorti là sur question Petro Caribé, yo indexé université comme étant institution qui trompé dans vol. L'argent Petro Caribé. Et sans compter 20 millions de gouttes qui étaient gaspillées en 2008. 2008, on débat pour faire restaurant de l'université. Des hommes avec toute la police, l'équipe venait, ils prennent l'argent, ça a gagoté. Lisez chauffeur machine, obligé de faire demi-tour. Étudiants, ils mauvais coup. De temps en temps, il y a un caoutchouc qui a vini, ils mettent des faits. Ils une stratégie pour boycotter la cérémonie. Les étudiants, ils ont justifié l'action. Nous avons problème avec un bon monde qui remettait 10 millions de professeurs qui ont même décidé c'est sur route corruption pour passer pour diriger. Et là on fait corruption, c'est pour poche. Là on fait corruption, c'est pour le monde qui n'a clan. Que même pas de financer la réhabilitation faculté, ça va déranger nous. Mais quand Ignace, avec tout le monde acolyte, qui baignent dans la corruption, quand des hommes, ils ont 20 millions de gouttes qui baillent pour question de restauration dans l'université, eh bien, des hommes gaspillés, mais je dis qu'ils n'ont pas capable de manger l'école là pour penser que ils sont capables de venir boloser là. Vin manger gâteau, vin boire coca. Même nous pas d'accord. Sous la cour faculté, a un gros tente qui dressé, plusieurs chaises rangées, mais aucun invité pas présent. Pendant temps ça, doyen Fachla a fait yon aller vini pour connait qui j'en saillé de yo. Li impossible pour yo kembe. Josué Vaval obligé annoncer cérémonie en reporté pour une autre date. Suite à conditions sécuritaires aux environs de la route qui mène à la faculté des sciences humaines, c'est-à-dire aux abords, barricades dressées, caoutchouc brûlé et en pile groupé dans la rue et notamment des étudiants, dans un souci pour éviter de problèmes qui capables liés à l'organisation cérémonie, nous reporté. Doyen déclaré, li pa konnen qui principale revendication étudiant protestataire. Demandez au pito pour montrer yo gen sagesse. Techniquement, je ne vais pas tellement trop parler avec eux. Sauf ça me constater, c'est que gagner une barricade, constat, mais peut-être qu'on peut rencontrer eux et peut-être qu'on peut affiner l'argument beaucoup plus. Nous t'amendons pour Mounio comprendre la situation et nous définir les suites nécessaires au moment opportun. Plusieurs policiers étaient en déploie ton nez, Navdi Christophe, pour empêcher étudiants de craser brisé. Ils ont présence qui augmentait colère étudiants. Yo voyez, j'étais bien loin. Toute l'idée pour t'a accepté directeur BM Padla fouler la cour faculté. Cérémonie ça qui reportait pour étudiant yo, c'est une première victoire. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Aucune élection qui possible avec équipe sous pouvoir d'après organisation branche nous conscient Petro Caribé, alors Petro Challenger, climat sécurité, 4 identification nationale des malogues contestés avec prétention chef l'État pour accaparer élection sérieux, c'est principale raison Petro Challenger avancé pour montrer équipe cap dirigée pas qu'à réaliser élection transparente dans le pays. Nous pape complice continue exiger départ Jovenel Moïse, installation au gouvernement transition pour réaliser procès Petro Caribéa. Petro Challenger yo mandé acteur concerné yo pour pas cautionner aucune élection piqué collé à pouvoir tête calé à reportage et Jean-Rémy. Président République la Jovenel Moïse mette cap sur organisation prochaine compétition électorale yo. D'ailleurs, li pas suspend répéter le par ouais élection 2021. Li même fait connait gen 7 secteurs qui déjà désigné représentant yo pour mettre campé conseil électoral provisoire. Pendant ça, en pile secteur pas suspend levé voix yo pour dire non yo pas pral dans élection à pouvoir tête calé ya. Organisation nous conscient avancé plaisir exemple pour montrer élection pas possible sous actuelle administration. Yo na condition pour réunir pour faire élection.
élection, faut qu'on CEP. Donc ça que Jovenel Moïse pour gagner, malgré nous l'a fait toute ça qu'on est créer des organisations pour le café et on CEP piqué collé ou bien CEP champouel. Comment l'autre candidat va faire campagne? Là que nous connais pays, c'est chef gang qui contrôle toute quartier populaire côté puis faut mon a vivre dans pays. Par exemple, moi même qui sont activé la Tibonite, dis-moi comment on va rentrer dans ça vient pour le faire campagne qui gagne un plus gros 52 votes qui gagne dans première section civile la Tibonite. Jodi a côté que son chef gang qui contrôle même population civile n'a pas passé. Maintenant jodi, comment va le faire pour le faire campagne dans village de Dieu, dans Grand Ravine, dans Cité Soleil, dans Delma 2, etc. Et l'autre bagaille tout, on fait élection avec qui cap? Le président lui-même, ici on contravient avec madame ni, il a décidé, il a confirmé que vous-même vous faites 4 pour vous, pour 4 pour voler l'élection. À côté de tout problème, ça y est, Mackenson Jean-Baptiste évoquait méfiance plaisir acteur concerné pour les quelques déclarations chef l'État a fait dans le cadre organisation élection yo renforcer plus d'autres populations. Le président Kapel dit, pas de personne, et quel que soit l'élection a fait, qui a gagné l'an mêle. Li dit, après mon Dieu, c'est le petit chef. Ça veut dire, je dis à nous, conditions pour élection, vous faites pas réunir. D'après principe démocratique, yo doit gagner élection qui fait pour renouveler personnel politique là, combler vide institutionnel qui gagne pour Petro Challenger là, élection yo pas possible tout autant équipe actuelle là paraché Mayokli. Et une première condition que tu as de réunir pour élection en fait, c'est le départ de Jovenel Moïse. On Jovenel Moïse toujours n'a pas le national. Donc je dis à ne pas parler d'élection avec Jovenel Moïse. Mais l'autre bagaille tout, faut que bon CEP pour faire élection et c'est pas Jovenel Moïse qui a mettel, faut que l'autre cap pour faire élection et c'est pas Jovenel Moïse qui a présentel, et faut que sécurité qui tabli dans pays là, Jovenel Moïse pas dans ou tabli sécurité dans pays là, et effectivement faut gagner un pouvoir qui est installé avec des monde qui crédible, qui honnête et que population qui a fait confiance. Donc nous même dans nos consciences c'est là que nous y est, nous n'en départ Jovenel Moïse, nous n'en mobilisation pour gagner pour CEP au Caraïbe, nous n'en effectivement un éveil national qui va aller vers la transition rupture. Pour arriver à départ président Jovenel Moïse, mobilisation c'est meilleure solution d'après organisation Petro Challenger. Nos conscients qui profitaient lancé en pinga by chef l'État contre toute tentative pour amender constitution avant réalisation prochaine compétition électorale. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Merci en pile Reginald Rémy. Jusqu'à présent, ambassade américaine pour qu'on comprenne position peuple haïtien face à pouvoir en place là. C'est ça qui fait le mandat pour le président de la République là, commencer à planifier l'élection dans le pays d'après la déclaration de M. André Michel. M. André Michel qui renouvelle position secteur démocratique là, qui part décidé à participer dans aucune élection avec Jovenel Moïse. Dans ce sens, porte-parole, le secteur là continue à plaider en faveur et en transition pour couper fâché à corruption dans l'institution publique. Yo. Qu'à toute qualité dans le quartier populaire avec inégalité sociale sans pareil, classe défavorisée, continuer à faire face. Mais André Michel, t'es parlé à la micro, Ganito François. Malheureusement, jusqu'à présent, l'ambassade américaine, pour qu'on comprenne, position peuple haïtien. Position peuple haïtien claire, non pas dans causer conseil électoral avec Jovenel Moïse. D'ailleurs, tout secteur important dans le pays a déjà dit yo pas participer dans mettre campé conseil électoral. Position peuple haïtien clair et c'est position secteur démocratique là non pas dans élection avec Jovenel Moïse et nous dit solution crise là c'est une transition équilibrée qui vous faites une transition qui pour venir faire procès Petro-Caribe une transition qui pour venir faire conférence nationale. On transition qui pour venir faire procès massacre La Saline, massacre Belay, massacre Cité Soleil. On transition qui pour mener pays à non élection démocratique, libre et honnête. C'est de ça qu'il s'agit. Pas bien élection avec Jovenel Moïse et c'est pas que non pas bralé non. Pas bien élection. La transition est inévitable et moins quoi moment arrivé pour ambassade américaine, communauté internationale là, comprend nécessité pour rejoindre le peuple haïtien, hein, pour nous capables de réussir transition ça, parce que comme nous l'avons toujours dit, cette transition doit être la dernière transition ça, on doit utiliser pour nous casser le système pesé sous ses, qui s'y maille misère dans quatre coins pays, hein, voilà. La position du secteur démocratique et populaire. C'est même position, hein, c'est départ Jovenel Moïse avant 7 février 2021, qui c'est date constitutionnelle pour mandat fini, mais faut qu'il quitte le pouvoir avant ça, sous force mobilisation peuple-là. Deuxièmement, son transition de rupture, une transition qui pour faire pour ces Petro-Caribé, une transition
qui pour faire procès massacre La Saline, massacre Belém, massacre Cité Soleil et tout l'autre massacre qui fait dans le pays a en transition qui pour juger assassin qui tue monde dans période manifestation qui blesser monde dans période manifestation en transition qui pour permettre nous capable faire une conférence nationale haïtienne souveraine pour nous construire une autre société haïtienne avec un autre système économique et social et enfin en transition qui va mener le pays à dans une compétition électorale libre et honnête mais avec un autre système électoral côté monde qui volait l'argent Petro-Caribé, monde qui dans corruption pas capable vin acheter vote ou vin prendre pouvoir. Maître André Michel, Force Populaire Nationale a annoncé mobilisation contre pouvoir en place. C'est prêt à reprendre départ Jovenel Moïse qui est un gouvernement transition. C'est prêt à le principal revendication protestataire. Jean-Claude Douillon profite de lancer un pinga, une frange dans l'opposition. Il dit qu'il toujours accaparé tout gouvernement transition. Il demande des populations pour commencer. Et les Charles Barré derrière politicien traditionnel. Ça y est, Jean-Claude Douillon, Ténamico, Original Rémy. Depuis après libération, depuis après 1804, le pays d'Haïti produit seulement leader transactionnel. Nèg ici, c'est utiliser la lutte populaire, utiliser la lutte politique là pour faire transaction. De René Préval à Justin Briver, pays d'Haïti, c'est leader transactionnel seulement du produit. Pour nous comprendre que journée aujourd'hui, peuple haïtien, il lance une vaste lutte politique contre le pouvoir Jovenel Moïse là, qui n'a jamais réglé rien dans la vie politique pays d'Haïti. Et puis pour nous voir que, à notre grand étonnement, nous voir que le conseiller de nègre qui a galvaudé, qui a mangé l'argent pays à sous Justin Briver, il a gagné un aéroport dans le meilleur, il a gagné un ministère de l'environnement dans le meilleur, il a un ministère de l'agriculture dans le meilleur. Si vous même jour aujourd'hui, c'est vous même qui cueille l'élite populaire pays d'Haïti. Jour aujourd'hui, le peuple a gagné assez de leaders. C'est l'une des raisons qui fait que nous-mêmes, Force Populaire Nationale, nous dit que l'élite populaire, je ne veux dire, faut nous rapatrier l'élite populaire. Faut nous retirer perception ça. Que monsieur, il y a voyé, depuis sous Justin Briver là, que l'activité politique dans le pays d'Haïti, c'est eux-mêmes qui ont dirigé l'activité politique dans le pays d'Haïti. Nous dans la rue chaque jour, ils vont arrêter nous. Nous prenons prison, nous mourir, nous faisons sortir de nos listes. Tout leader qui était bon côté, qui était notre force populaire nationale ensemble avec nous qui mourit. Ils ont mouru pour détruire. Sous cadavre, monsieur Sayo, il y a un nègre qui réclame de l'opposition. Ils ont fait porte sur eux. Ils ont nourri famille sous cadavre, monsieur Sayo. Ils ont payé l'école, beaucoup pour les petits aux États-Unis. Ils ont réglé tout à fait sous dos cadavre, moun Sayo. Je ne veux dire, Force Populaire Nationale. Dit, leader transactionnel Sayo, halte là. Lutte là pour recommencer. Lutte là pour recommencer avec une série de leaders qui pas de suspicion sous doyo. Lutte là pour recommencer avec une série de leaders qui pas gagné pour yo avec la justice. Parce que dans tous les pays du monde, opposition parfaite avec moun qui a suspicion sous doyo. Dans tous les pays du monde, opposition parfaite ensemble avec moun qui est accusé de vol, qui peut même aller répondre question devant la justice. Nous avons besoin de renouveler la classe politique là, je ne veux dire. Mafia traditionnelle ça. Mafia ça qui existait depuis après 1804 là. Mafia ça qui a fait transaction seulement sous deux secteurs populaires. Nous disons, monsieur Sao, halte là. Je ne veux dire, nous rapatrier bataille là. C'est l'une des raisons qui fait que nous faisons 6 mois de consultation ensemble avec tous les leaders dans le pays d'Haïti, dans tous les départements, pour nous faire prise de conscience là. Nous réunissons tout le monde. On est pour la transition. Nous pour l'autre forme de transition. Transition parfaite ensemble avec les gens qui ont suspicion sous le dos. Parce que nous-mêmes, en tant que leaders, il faut nous voir l'autre signal dans le monde. Que il y a des hommes qui intègrent, il y a des hommes qui sérieux, qui cap dirigé le pays d'Haïti. C'est même monsieur Sao qui a renouvelé tout le temps. C'est seul nom ça a attendu depuis après 1986 dans le pays d'Haïti. Toujours dossier politique gagné, pasteur Forge qui est ensemble avec nous en direct, qui veut pour ton précision hein, par rapport à Fotol qui sur réseau yo comme quoi l'État fait partie de groupe moun qui a délégué ou bien voyez représentant dans le conseil électoral provisoire qui saute pour former un pasteur Forge. Bonjour. Bonjour guerrier. Allô? Bon, on va essayer de retourner
Pasteur Forge appelle là, puisque lui est pas bien passé. Donc, Pasteur Forge, vous devez intervenir pour expliquer. Donc, il fait partie de groupe monde qui a délégué ou bien voyez représentant secteur protestant dans le conseil électoral provisoire. Pasteur? Oui, nous là. Oui, oui. Mm-hmm. Bonjour. Oui, nous saluons tout le monde qui est sous grand pouvoir matin. Et nous voulons porter une précision concernant non nous avec photo nous qui publié comme monde dans yo doit attaquer soi-disant moins fait partie de monde qui voyez monde dans KIP et nous relé pour nous capable démentir ça formellement nous pas impliqué ni de près ni de loin dans question voyez monde dans KIP gagner pour les quatre instances qui recevoir l'aide de palais national pour demander et instance ça yo voyez moun nan KEP ba responsable nan instance ça yo fédération du grand nord qui dirigé par pasteur Janvier recevoir l'aide du palais national qu'on espère recevoir l'aide du palais national et nous gagnons pasteur Thomas qui responsable yon groupe qui relé force des églises et nous gagnons fédération protestante qui recevoir yon lettre qui sorti nan palais national déjà là c'est un désordre que palais national besoin la guerre ou bien confusion dans mi-temps protestant yo pour diviser yo donc yo veulent impliquer me là-dedans moi pas impliqué ni de près ni de loin dans des autres ça et nous croire dans institution que si palais national besoin choisir moun pour voyer dans élection dans KIP li doit faire ça bien c'est pas division pour la guerre dans mi-temps secteur protestant donc moi veulent faire tout monde connaît qui est nom image moins sous réseaux sociaux pasteur Paul pas impliqué dans rien démagogique d'ailleurs m'pa quoi dans contexte la vie pour le moment là côté gagné une insécurité qui a valé terrain un grand la misère problème mon a mouri chaque jour pour ces sous bagaille KEP ou bien élection qui pour ta focus sans qu'on y a là. Ça, c'est pas focus pas nous dans le protestant pour le moment. Nous gagnons une revendication. Nous demandons pour nous rentrer, code pénal là. Si, président Jovenel, t'as rien méchita avec protestant, yo, qu'elle y réponde à revendication, nous, qui est devant les gens. Donc, nous croyons dans institution. Nous croyons dans renouvellement personnel politique par élection. Mais c'est pas dans démagogie. Nous parlons de démagogie, institution fin crasée, seule institution qui était comme une institution qui t'a doué représenter force morale pays qui c'est l'église mais il besoin diviser l'église là nous dénoncer bagage ça et nous pas impliquer ni de près ni de loin dans voyer monde dans KEP ça c'est pas qu'au police secteur protestant ça parce que nous pas trahir le peuple là c'est côté peuple là nous camper nous-mêmes. Et c'est ça, peuple a vrai, c'est nous-mêmes, nous voulons tout. Et nous disons merci, guerrier, parce que c'est nous, espace ça, pour nous être capables de porter ces précisions. D'accord. Merci un peu, le pasteur Forge, pour précision. Bon, la journée. Merci. Plusieurs organisations, syndicats, enseignants publics ou privés manifestés dans la rue Port-au-Prince, c'était hier jeudi 27 d'août. L'objectif mouvement, ça, c'est pour continuer à dénoncer ça. Les manœuvre toute qualité, dit ministre éducation nationale, la Pierre Josia, Génor Kadé a fait pour intimider syndicalistes, protestataires, profiter, présenter tout, cahier, revendication, qui sait, bonjour, conditions de travail, retrait, sous mesure contre syndicalistes, et puis, passer main dans grille salariale. La reportage, Gerline Maurice. Pour une quatrième fois, organisation syndicat enseignant public coup privé foulé béton en journée 27 août là pour continuer dit non à exact répression, yo dit ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor Cadet passe suspend fait sous professeur directeur avec élève qui a revendiqué droit yo transfert, révocation, annulation chèque, mandat, bastonnade, liste mauvaise action syndicaliste reproché autorité dans ministère l'évasion nationale yo en pile. Yon série action malhonnête protestataire yo considéré comme manœuvre qu'a faite pour mettre babouquette dans bouche syndicaliste. Campagne que nous avons fait pour nous sensibiliser la population, sous nécessité pour nous toute bataille, pour l'État mettre bon gens budget, pour que l'école y ait un professeur, l'école y ait un livre, l'école y ait moyen pour tout le monde manger, professeur bien traité,
malgré tout plaidoyer que nous faisons, nous constatons que le ministre Agénor Kader décide de répondre par la répression. Côté que c'est mandat à péter un professeur, côté que c'est transfert à faire pour professeur, c'est révocation, côté que c'est coup de balle à pas élève, c'est bastonnade. Donc nous-mêmes nous disons, bagay ça, nous pas fait back, c'est pour nous continuer la bataille. Répression par répression, organisation syndicale dit yo pas fait back. Nan bataille yap mené pour gagner une réforme qui fait dans le système éducatif là. Syndicalistes victimes yo qui étaient dans manifestation rang fait connait ou déjà prend chemin la justice pour contrecarrer mais y autorité dans ministère éducation nationale yo prend contre certains nan yo. Nous devons un message par ministre pour nous dire que quel que soit côté nous y n'a toujours mettre compétence capacité au service population au service pays nous. Donc transfert pas qu'à faire nous pas continuer mobilisation. Donc nous faisons ça nous devons faire légalement mais qu'on y en a fait appel nous n'a demandé supérieur hiérarchique nous était supposé faire rapport pour nous. N'a demandé au communiquer rapport que ont fait qui fait ministère a fait transfert nous. Donc n'a pas une réponse. Nous faisons ça les recours gracieux. Nous faisons toutes les étapes avant pour nous arriver dans la dernière étape là. Étudiants école normale yo te participé à la manifestation en tout pour faire un devoir. Revendication yo pas changé, c'est toujours exigé ministre éducation hein, Pierre Josué Agénor Kader respecter accord qui était signé avec l'école normale là. Étudiants école normale yo gagne deux promotions qui demandé une intégration dans le système éducatif là. Côté gagnon accord qui signé entre l'école normale et le ministère de l'éducation nationale Agénor au lieu que lui passer par accord ça pour nommer étudiant école normale yo l'a nommé l'autre monde pour Martine Moïse l'autre monde pour Kétler Auguste. Je dis à nous dit pas doué continuer gagne répression syndicale pas doué gagner l'autre monde qui va entrer en bataille dans le système éducatif là pourtant vrai monde qui formé qui fait école normale qui fait université pas qu'à nommer. Responsable ensemble organisation syndicat enseignant qui sous béton hein, réaffirmer volonté au gagner pour continuer bataille contre mauvais comportement autorité dans ministère l'évasion nationale yo. Guerline Morestin Caraïbes FM. Voilà, Guerline Morestin, reprise activité l'école après période de confinement qui c'est une occasion là pour secteur syndical enseignant relancer mobilisation pour exiger d'abord et puis bonnes conditions de travail mais depuis décision pour transférer trois syndicalistes parmi eux Josué Mérilien nous ouais mouvement enseignant prend l'autre dimension côté Koulia il a réclamé départ Josué Agénor Kader en tête ministère élève dans secteur public yo nan la rue pour mander kou dans l'école yo la police ta malmené yon élève dans ville Jacmel ça plusieurs secteurs d'ailleurs l'énoncé même Jacques ministère éducation nationale qui nan yon note limité dehors condamné lui même ça relé attaque violent contre l'école yo ministre éducation nationale la Pierre Josué Agénor Kader avec nous pour aborder nouvelle situation ça cap développé dans l'école yo ministre Agénor Kader bonjour. Bonjour Pierre-René, bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour tout auditeur Radio Caraïbes. Comment t'as qu'à présenter pour nous un premier bilan, une première évaluation soulevée de reprise d'activité l'école là, à côté de mouvements nous signaler là, nous ouais, dans le dernier reportage Joyo, concernant mesures, nous t'es annoncé dans l'école yo, par rapport à des dispositions pour élèves yo à l'autre personnel dans l'école yo, protéger tête yo, mesures ça yo, censé pas respecter dans majorité l'école yo, ça qui fait, t'as capable dit, activité reprise l'école yo pour année ça, c'est un fiasco. Li pas un fiasco on nous dit que nous gagnons l'école en Haïti depuis l'année 86 qui a pris des mauvais coups et on pense que ça lui-même nous mettait en sorte de conscience sociale pour comprendre la situation et qui nous gagne pour faire respecter le droit à l'éducation. On nous dit, on a été tout petit. L'on par exemple, bien souvent, nous prenons notre agenda politique, c'est question de l'école. On nous prend en consultation là, on va dire dans le cas de Jacques Mouri. Non, super, il y a 23 lits. Mais quand il y a une lycée Péchina, dans Jacques Mouri, eh bien, ça vient des décennies, chaque année, c'est comme ça, toujours fonctionné. Et l'on garde, Pierre Renel, Gavier Duchel, et tout le monde qui a coûté là-haut, et lycée Péchina Jacques Mouri, même premier jour l'école ouverte, l'hypothèse quand même 8 ans, il est déjà dans la rue à manifester pour dire, je vais demander pour Véchin. Pendant ce temps, l'école pour le mouvement ouvert. Donc, pour ne pas qu'à connaître, vous nous faites des calculs. Mais, il y a tellement d'éducation dans ce sud-est-là. Les chutes avant hier, avec tout professeur, dans le lycée, pendant qu'on va le faire réunion, on équipe, on débarque,
yo les têtes et syndicalistes, et puis yo boycotté rencontre de manière violente. Donc tout pareil ça nous pas cap toléré dans société. On nous dit que d'après tout rapport qui nous joint moi en dans administration centrale ministère, nous répond question là directement selon tout rapport yo et qui sont dans toute direction de l'éducation yo, et bien l'école là il fonctionnait à plus de 95%. Comme zone de turbulence, nous jouons, qui va même turbulence dans l'éducation, c'est une capacité de turbulence politique, nous jouons un problème dans CEMAC, problème dans Saint-Louis du Nord, problème dans Jacques Mel, notamment dans lycée Pinchina, dans l'Ouest, même c'est un poids de bouquet, qui a pas été problème depuis quelques temps avec l'élève, et puis dans Mimbalé. Mais après ça, toute l'école a fonctionné normalement, et on nous dit, on bagaille, et Pierre-Rinel René, on monde qui attend toute logique la carou. Et donc, tout le monde connaît que c'est la date 1er octobre et on année fiscale commencé. Et année a fini le 30 septembre. Donc, on ne peut pas croire que on monde, bien en tête, est capable de penser que c'est pas dans l'année pas fini pour ne pas le bloquer, pour ne pas apprendre, pour faire passer les revendications. Même là, il y a une revendication pour passer, mais c'est pas dans le moment ça, pendant que nous avons besoin de boucler l'année pour finir. Et pour va valider en année scolaire, donc revendication ça yo rivé nan fin année académique là, c'est parce que yo pas résoudre bien avant, donc c'est deux revendications qui étaient là, mais vinn gagne deux nouvelles revendications et yon nan yo c'est retrait décision on prend pour transférer syndicaliste en cours Josué Mérilien, Magali Georges et professeur Franck Wilbert Georges. Pour qui ça décision ça ministre? Bon, ce sont purement des décisions administratives. Mais il y en a un qui n'a pas vrai. Et nous, il y a deux ans, il y en a trois cordiales, c'est qu'il y a deux cas de transfert dans l'eau, mais trois, il n'y a pas qu'un cas de transfert là-dedans. Et pour dernier, c'est là, donc, on ne peut pas qu'il y ait transféré. C'est seulement au monde, et j'ai même dit qu'il y a deux jobs. J'ai un job qui vient depuis peut-être 2016, et depuis avant 2016. Okay? Depuis avant, et ministre et professeur pouvoir d'ensemble, depuis avant, mon ça a été un job. On a touché 51 000 gouttes dans le ministère de l'Éducation nationale comme technicien dans le DTQ. Il n'est pas jamais présent, même un jour dans le poste-là. Tout le conseil de la société, ça, nous ne pouvons pas tolérer. Soit nous tolérons ou bien nous livrer le pays à des gens qui ont fait sécurité, à des gens qui ont fait cette corruption, et puis nous fermons le pays ça. Parce que nous ne pouvons pas dire que pour le monde, l'île au poste, on a touché gros magot l'argent, et puis depuis. Pile l'année, pas jamais de travail. Mais les montants en 2017, les mois ça, nous avons fait une lutte contre la corruption, pour nous avons combattu tout le monde qui est à l'étranger, qui est en Haïti, qui a touché contre l'État, pas jamais de travail. Et puis, il est même, le technicien senior ministre de l'Éducation nationale, et bien, les ressources humaines, c'est l'instruction pour écrire, pour écrire trois lettres, pour reprendre, parce qu'il n'a pas jamais reprendre, finalement, et nous sommes vite en désigné. Donc, ce n'est pas pareil qui fait qu'on a dit nous-mêmes. Donc, c'est à d'autres faits que. C'est un moment où on exploite, mais ce n'est pas qu'il est très longtemps, mais par autre fait, c'est seulement au monde qui a dit poste pour abandon de poste, par exemple, de travail. Cependant, en tant qu'enseignant, pendant l'histoire firmée, eh bien, lui-même, il est toujours enseignant, parce que chaque mois, il touche chaque lit, même pendant la période COVID-19 là, il sortit dans le masque du cognac, chaque lit toujours sorti, et il toujours passé toucher chaque lit, normalement jusqu'à présent. Donc, par état de transfert, donc c'est que, il vient mélanger toute bagaille, pour faire aussi des passés, mais pas de salaire dans du tout. Oui, mais décision, ça paraît suspect, ministre. Décision, ça paraît suspect. Non, mon nous, côté. Oui, mais et pour transfert Josué Mérilien et Magali Georges, même qui est très engagé dans le mouvement syndical. Pas de transfert Josué Mérilien. Pas de transfert Josué Mérilien. J'ai toujours été comme enseignant dans lycée firmé. Seulement, nous, il fait un paquet d'années. Non, Magali Georges, transféré lui-même. Bon, c'est une décision administrative, tout simplement. Une décision administrative pour des raisons. Et comme journaliste, si vous entrez, vous avez une direction départementale, vous avez une ressource humaine, vous avez une direction générale, ou vous avez une liste dans l'école nationale de l'ETA, vous avez toute raison qui fait et qui justifie le transfert. Et je ne sais pas qu'aucune société qui a toléré. Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas agi dans le ministère, nous agissons selon la loi, okay, selon les normes. Et nous avons comme boussole, nous, décret 17 mai 2005, là, qui portait organisation, statut général, fonction publique. Donc, on paquet de bagages sont respectés. L'homme, on occupe un poste de direction dans l'État. OK? Donc, on ne peut quand même ajouter ça, nous, arrêter sur l'affaire de déontologie. Donc, l'homme, on occupe un poste de direction dans l'État. Donc, c'est des responsabilités qu'on gagne. On ne peut pas dire, Pierre-Hunel René, pour le monde, on occupe un poste de direction dans l'école de l'État.
depuis l'État ouvert l'école, depuis le premier jour, les mêmes langues, quand ils ont abandonné dans l'école là, dans la manifestation. Donc, c'est droit. Et pour, par exemple, nous connaissons chaque des grèves, manifestations, etc. Toutes les choses sont des états anticonstitutionnels. Mais l'homme n'a pas de direction tout, ou bien des responsabilités de l'État là où. Et ce n'est pas pour rien, dans l'article 171, 17 mai 2005, nous comprenons qu'un fonctionnaire libre pour exprimer opinion philosophique, politique et religieuse, j'en veux. Mais il y a une obligation pour ne pas contester publiquement le principe positionnel de l'État. Vous comprenez? Donc, tout bataillon, il y a des batailles qui régissent. Et une décision prend, son décision purement administrative. Dans pas cas il y a deux outils qui transfèrent, certes, mais l'autre là, par contre, aucun cas de transfert là-dedans, c'est seulement un cas de confusion pendant, et son bataille qui était là longtemps d'ailleurs, et qui était depuis des années. Même nous, il est toujours enseignant, il n'y a pas écarté de système éducatif là, tout simplement, et bien, il a saisi une occasion pour faire passer des revendications toujours justes, et non toujours dit qu'il faut gagner des revendications. Et en dans aussi, il n'y a pas gagner des revendications, d'accord? Et le rôle de l'État, c'est pour porter satisfaction à toute revendication. Mais nous, donc, que, je dis, nous n'avons pas le droit à moitié de temps. Nous en fait août presque. C'est pas le moment pour poser problème. Et bon, quelques cas que, par exemple, on prend un cas, liste péché dans Jacques Pellamdou, que l'école, les 20 premiers jours, l'école ouverte, les coutumes, nous sommes entrés dans l'école, nous, dans l'ICA, nous sommes dans la rue, à Paris, c'est dit, nous sommes pas même professeurs, alors c'est pour quand même l'école. Donc, il faut que la société comprenne ce qui a passé là. Oui, mais ministre, avant d'avancer, nous ne sommes pas capables de questionner les mesures administratives, qui, c'est des mesures qui sont liées à nous-mêmes, qui, au niveau de ministère, là, mais, nous sommes capables de regarder la motivation qui derrière mesure. Ou parler de Wilbert Franck, professeur Wilbert Franck, nous connaissons qui est très engagé dans le mouvement syndical, qui a préclamé jeudi à meilleures conditions de travail pour enseignants. Ou dit, nous prenons décision ça contre lui parce que lui pas de vie de travail. Il pas de vie. Bon, je ne vais pas venir là sur tout le détail. Donc, sous besoin de détails, on passe dans le ministère dans direction. Concerné, il y a pas tout détail qui explique ça. Mais on connaît tout, on transfert, c'est pas on sanction lié, on transfère pour sanction. C'est une décision purement administrative. Donc là, au monde, par exemple, si nous regardons, par exemple, article 76, décret 17 mai 2005, là, qui s'est lourd, il est fonctionné à lui-même, il n'est pas appartient à un service public déterminé, mais il appartient à la fonction publique. L'État d'après, mettez n'importe côté, n'importe côté dans le pays. Ok? Donc c'est ça la loi dit. Ok, donc là où on n'oublie pas, donc ces mêmes gens, puis on a que les gens longtemps n'ont pas parlé de gendarmes, ou bien on n'oublie pas, ou bien ou c'est ou pas pour un poste donné, parce que bon, dans le ministère de l'Éducation nationale, l'État a exploré, tu vois, l'éducation, vous n'avez pas de structure, et il y a vous n'avez pas de côté qu'on a pris. Donc ce sont des décisions purement et simplement administratives qui n'ont pas gagné pour eux avec quand nous avons des persécutions. C'est-à-dire, des fois transférer à tout des conséquences non et des montements qui bien l'administration. Mais nous disons que si vous avez tout détail pour qu'à passer dans le ministère de l'Éducation nationale côté décision qui prend, parce que leur ministre tout a été tombé, même toujours au courant des décisions qu'à prendre. Nous avons deux cas transférés ou pas, on te dit trois vidéos ou à trois, deux cas ça, on va trouver une raison qui est capable de justifier. Oui. Et bon, et là c'est tout une nouvelle revendication puisque dans le mouvement d'Andéola, il a demandé pour retourner sous décision ça, pour un retrait qui fait sous lui, mais il a demandé tout pour quitter le ministère, donc ministre. Donc coulier face à situation ça, qui sort ou qu'a promet et qui ça nous a fait pour calme finalement retourner dans l'école et remettre les professeurs en confiance et l'on connaît déjà grand pile promesse que nous t'ai fait qui pas respecté. Qui promesse qu'ils n'ont fait pas respecter, par exemple? Comme on dit qu'ils promesse qu'ils n'ont fait pas respecter. Donc, jusqu'à présent, il a réclamé. Non, en aller. Donc, jusqu'à présent, il continue à. Bon, par exemple, il y en a une promesse, c'est l'agent subvention et pour professeurs et dans l'école privée et pendant la période Covid-19. Jusqu'à présent, on a parlé là. Donc, pourquoi vous êtes les provinces en Gabon, ok? Mon professeur, on sort depuis d'heure. Et vous pouvez me dire, Jim Gérudel, président lui-même, qui était pas son diction, et qui largement commence à, il a précipité, maman qui pose à bien, on parle de suspension. Eh bien, l'impôt en mars, ok? Président député, non, conseil des ministres, c'est un pays là, de manière pour capable protéger la population,
eh bien, président dans le cas qui a fait sa réflexion. Vite, mais étant donné que le monde qui emploie l'État, notamment le Seigneur, nous allons continuer à recevoir salaire régulièrement. Et de fait, de COVID-19 jusqu'à présent, tout enseignant, même dans le travail, recevra salaire normalement. Okay? Maintenant, il dit que enseignant qui est en privé, il n'y a pas de problème, nous-mêmes, nous joignons. OK? Et, m'a regardé par exemple, hier, il y a l'école où il y a des crimes qui vont être faits par une question de formation classique, qui est crime qui vont être rapport en moins, et des gens ont utilisé l'argent à prix au valoir. Donc, le président, c'est passé instruction pour être appuyé tout enseignant qui est dans l'école privée. Maintenant, pour accompagner les professeurs, ça, on va passer par institution au niveau de la donne. Donc, c'est pour ça, eh bien, le ministère des Finances, décaissé et déposé dans le poste comptable le 13 mai et dernier, 500 millions de gouttes. Le 3 juin, on a décaissé 700 millions, par exemple, 1 milliard de gouttes disponibles pour appuyer en séance d'arbre. Maintenant, le problème que vous posez, donc, chaque fois, les ouvriers et les dossiers, dossier de quel problème dans nous, ok? Et finalement, problème qui est venu d'ailleurs, puis pour cette charge là, c'est qu'on n'occupe pas de valide. Et chaque fois nous venons cas, nous qui va valider ça, ou bien nous prenons, nous coupons la production des pantalons là, puis même relais, c'est le pôle conteneur pour faire la valider nous pour notre pays. Et puis une fois nous avons validé tout à la ok. Donc aujourd'hui là, un paquet de piles de colle qui nous a été voir. Et après ça, une fois que nous avons validé ok avec BGI, nous avons validé nous. Et aujourd'hui, tu as des soucis qui nous servent, ils vont joindre tout nom l'école qui joignent à plus tard déjà. Donc, ça, pourquoi jouer, il y en a eu aussi peut-être tous ceux qui entrent en, au niveau institution financière, ou bien, c'est nous tous qu'on peut valider. Mais l'argent là, c'est pour appuyer le pays, donc c'est une promesse citoyenne, et une promesse là, même directe, concrète. Et quelle que soit l'école qui est en liste là, qui ne reconnaît pas l'État, même quel que soit le moment validé, ni si, l'argent là, la famille pour joindre, mais quand il y a un qui est dans le donc ça, tout ça aussi, il faut que Donc, dans les revendications autour, ministre, il y a un problème professeur qui est dans la salle classe qui toujours pas nommé, professeur qui gagne plusieurs mois arrière et salaire. Nous sommes gênés de promesses sur ça. Écoutez. Je vais prendre la garde. Et je vais parler de professeur qui est dans la salle classe et hier, il est revenu ou là, dans le problème. C'est toute l'histoire. Question éducation en Haïti avec le ministère pour même dans les années passées, si ça fait jamais fait l'éducation. C'est pour la première fois qu'on a eu cette côté, le ministère éducation nationale est arrivé, régularisé et budgétisé, ok, près de 11 000 enseignants. Près de 11 000. Et 11 000, ça, c'est nous qui nous voyons, nous devons tout en situation régulière. Ok, ça nous nomme dans nous, et tout le gouvernement qui est parti nous. Mais tout ça, c'est là, depuis 2006, 2007, tout année avant eux, nous résout le problème qui est dans le système là, c'est posé par tout ça, c'est très ministre qui dépasse déjà. Côté des mondes qui ne nous pas jamais à toucher, je dis à tout toucher, ok? Et nous pas dit que à 100% nous sommes résout, parce qu'il y a des cas qui, par exemple, moi, ça là, par exemple, nous commençons à être dans le match, nous dans le mois de juillet là, nous avons touché deux chèques. Donc, ça, c'est un problème, par exemple, dans un dossier, et en juin, nous résoudre le problème, par exemple, et nous avons dit, c'est juin ou c'est juillet. Donc, ça, c'est un problème, nous résoudre, ok? Donc, c'est pas bien ça comme problème, et nous disons, la première fois, ça fait même temps, nous fait éducation nationale, et nous, quand on peut tout ça clairement, côté de 11 000 enseignants, un seul coup, livrés, et bien, non seulement régularisés, mais en même temps, budgétisés. Je ne comprends pas vraiment qu'il y a un problème et revendication qu'a fait là dans la rue, il n'y a pas fondé d'après le ministre. Écoutez, même ma psycho, tout, écoutez, nos sociétés pas jamais pas gagné de revendication. Je dis par exemple, nous n'avons pas fait Haïti, qui ont économie à la GABA. C'est tout le monde qui est dans la fonction publique là qui gagne des revendications. Et le gouvernement, il n'a toujours pas fait ça. Ça fait aujourd'hui, il y a une grosse réflexion qu'a fait malgré la situation économique difficile du pays, pour ainsi à repenser le salarial pays. Le montant 2017, et bien le même année, le premier acte que nous trouvons, c'est l'augmentation salaire pour enseignants. Et ça fait même poser problème au niveau de l'éducation centrale, parce que nous n'avons pas de problème et d'augmentation même. Maintenant, le premier acte, c'est l'augmentation pour enseignants. Et bien le même année, même si on a fait un enseignant 100, 200, 300 000 gouttes, on ne peut jamais payer. Et c'est dans tout le pays.
pour volume de travail, pour obtenir des mètres. OK? Même nous, nous avons un pays qui a un prix salarial qui est très bas, de manière générale. Parce que aujourd'hui, là, l'on prend un enseignant qui a 6 heures de temps l'après-midi, puis touche 13 minutes pour 6 heures de temps. S'il recherche plein temps, il a 36 700 gouttes. OK? Donc, il est passé 4 000, donc il est dans l'autre niveau. OK? Et il n'a pas tout sensé, etc. D'accord? Maintenant, on a même considéré ça tout. L'on prend un directeur général qui a la fonction publique, qui a touché. C'est un 7 ou 7 l'autre en médecin. Dans ce cas, il tout le monde sait, pour la police, la justice, le monde qui est dans le secteur santé, le monde qui est dans le secteur éducation, qui fait un travail extraordinaire, eh bien, il a réfléchi dans l'État pour voir comment il est capable de repenser le prix salarial. Mais écoutez, nous faisons pour des dans le pays, des pays locaux, pour que l'État ne rentre rien du tout. Nous sortons dans le pays, nous venons tomber dans le COVID-19. Okay? Donc, on n'a pas cette situation qui a passé le pays. Nous n'avons pas dit que les revendications ne sont pas justes. Okay? Parce que de temps en temps, on emploie, il a demandé meilleures conditions de travail, augmentation de salaire. Ce n'est pas normal. Okay? On ne va pas dire que ce n'est pas normal. Cependant, chaque bagage est tout bon moment pour qu'on soit capable. Et nous sommes tous à clairement au départ. Je dis à la, okay? N'a pas le mois d'août qui va le finir. Nous allons dire le 28 août. Au 30 septembre, ce n'est pas le fin pour l'exercice fiscal. Toute prévision qu'on a faite, est faite en fonction d'un budget. Et le budget a démarré à partir du 1er octobre. Maintenant, on va appeler nous en août pour nous poser des problèmes alors que nous avons fait un budget. Okay? Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Maintenant, nous ne pouvons pas dire les profits pour ne pas apporter satisfaction à la revendication. Parce que tout récemment, nous recevons en plateforme syndicale. Qui vient présenter un cahier de stagiaire. OK? Et même nous, ça même, nous former une commission qui a réfléchi sur le cahier de stagiaire. Et ça, c'est plus belle la question. Hein? Même pas la conférence de Galva, non seulement les voyez et les portez les questions de moi, les cahiers de stagiaire, mais vous voyez tout par les autres autorités de l'État, notamment, vous voyez le premier ministre dans la nature. OK? Donc, où est ça? Ce monde qui a pour travail syndicaliste, qui Non, c'est normal pour nous présenter une revendication. Mais cependant, des fois, mon en Haïti, c'est qui mon nom, je voulais pénaliser. Ou qui mon nom, même si ce sont des innocents, qui ont droit à l'éducation. Donc, nous d'accord, qui est le même, on va faire une revendication, qui est tout ce qu'on va faire. Mais, il faut respecter le droit de mon nom à l'éducation. Et Mater, en couverture, journal Le Nouvel Is lancé en SOS pour sauver lycée, lui, Joseph Janvier, dans Carrefour, côté de fait Filon, gagné lycée Plaisance du Nord, l'agent pour reconstruction censé là, hein, selon annonce, m'était tendé que t'es faite, gagné lycée Jean-Jacques, travail, reconstruction, t'as dû lancer sur un nouveau terrain dans Carrefour, feuille là, à côté, ensemble lycée, m'était annoncé, qui t'a doué en chantier ou avec l'agent nous dit qu'il t'a sauté dans budget qui était destiné pour le Parlement qui je dis a dysfonctionnel. Dans qui phase nous y a travail ça au ministre? Femme d'où bien, Hélène. Et ma parole est une question à la direction, mais avant, femme d'où que sauté dans les 2017 à date, administration Moïse qui me fait partie de l'IA, par le truchement du ministère éducation nationale, construit dans le pays 143 nouvelles écoles. Et l'ISLA là, nous connaissons pas même pour nous imaginer nous. L'ISLA là, à toute la version. Reprenez quoi pour nous? Combien d'écoles nous? Depuis 2017, pour les Jodia, nous construisons 143 nouvelles écoles. Et pendant ma parole là, il y a 25 nouvelles autres écoles fondamentales qui ont construit. Ok, qui ont construit. Mais malheureusement, comme on dit ça pour la société à compagnie, dans 25 écoles, nous avons construit dans l'eau, il y a une qui ne peut jamais pas construire dans l'eau. Ok? C'est qui côté dans l'Éogane? Dans l'école nationale, et pour l'Éogane, c'est des gros groupes pour l'Éogane, carrément là, pour le débat qui va construire. Ça a plus passé au mois, ils ont campé aussi au niveau de l'école nationale. C'est place publique qui a besoin. On a même l'éducation nationale, vous voyez? Mais où est-ce qu'il y a ton société? Donc, un groupe qui trouve quelque part en politique, ils dit eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de l'école. Alors que nos villes de Ougane, pas bien l'école nationale, ou à qui ont mais côté la construction de l'école nationale, là, c'est en fonction de quatre scolaires PIA, parce que là, besoin pour l'école. Mais, nous, je veux dire, il y a une fonction à faire pour que l'école la construction quand même. Vous avez 27 ou 20. On va parler de lycée, et de la diplomatie. Ok? 10 piscines. Et bien, dans 10 piscines, ça y est, il y a 8 ans,
OK, gain 8 ans, tout a gagné dans tête pour dire parce qu'on est là pour solliciter. On va créer des tapes pour voir. Donc pour jouer le terrain d'abord, pour valer pour que propriété à son acquis, on peut problème sur vie. Deuxièmement, il faut faire une étude topographique, faut faire une étude géotechnique. Donc tout ça déjà fait pour 8 000 dollars là et il a déjà lancé appel d'offre dans le journal de Nouvelle-Liste. Maintenant, gain un lycée qui c'est Daniel Fignolet lui-même, non seulement appel d'offre est lancé, il aurait fait ouverture des plis. Bon film qui déjà gagné, la gala qui va le construire lycée d'ailleurs sur lui. Maintenant, l'autre section, il y a déjà lancé appel d'offres, il va le faire ouverture des plis pour finir le gagnant pour le construire. Maintenant, en dehors de 8 lycées, ça, pour ça, l'autre deux pour commencer. C'est à quoi la mon rapport de fait, lui-même, c'est terrain qui a un petit problème, qui a fait toutes ces choses avec l'ingénierie et avec direction des domaines. Pour lycée Kafoukou là lui-même, que nous voulons construire depuis bien longtemps, et bien c'est question de terrain lui-même qui est en cours. Puisque il y a une question légale sur lui, et bien lui en cours devant la justice, il y aurait avantage, etc., même pour la dans la partie finale. Donc nous ne pouvons pas arriver à voter sur lui, en bagaille légale, il faut qu'on filme des sur lui. C'est non seulement il y a une petite mesure pour mettre une douleur, qui est déjà démarré, il y a 8 ans, il y a 2 pour faire un capitaine pour une construction, mais en dehors de sa cour, il y a l'autre liste en fait la construction là. Par exemple, dans la ville de Ruizino, il y a lycée Jean-Marie de la Menet. Là, non, bon, Vialet lui-même, non, non, nous avons dit que Vialet là, dans moins d'un mois, on était en ligne, nous avons dit, nous gagnons, non, sous Créa, et côté de l'École nationale Créa, à côté, nous avons lycée, la poste là, parce que nous avons route, nous avons lycée, donc lycée national frère, la poste donc, et sans côté, l'autre côté de vous, et pendant ma parole là, nous gagnons 12 nouvelles écoles fraîchement construites, 10 en débattant centre, dans la ville. Il faut quand même inoculer même plus grand médecin général là, il faut quand même la directeur de la pantalon là. Donc, la question ça, et bien sûr que j'ai un statut scolaire, et bien là, on pense que c'est un gros pas. Et nous, en dehors de tout ce qui là, il y a 53 nouvelles écoles que l'État a déjà construit, sorti 2017, privé aujourd'hui. D'accord? La question est là-dessus. Et on ne sait pas l'autre, il y a tout de questions enseignants là, côté près de 11 000 enseignants, ils ont réclarisé et budgétisé, ok? Donc, on va résoudre tout problème qui est dans le système d'un coup. Donc, c'est graduellement pour résoudre le problème qui est dans le système. Dans la liste lycée en construction, et où tu as cité là pour nous, partant des lycées Plaisance du Nord, là, il y a dit non plus l'agence a été là déjà. Qui dossier ça reconnaît? Bon, on ne va pas écouter. Non, ministère, on ne va pas être structure. Donc, qui c'est le monde qui est dans UPM, partage le marché ou qui est dans UFP? Et de programmation, c'est mon sort qui vient, mais quand pile l'autre lycée, vous savez, ça en bas où, mais quand pile l'autre qui vient, flop qui fait pour eux, et qui pour construire un pays, ça dans pile l'autre lycée, quand on ne peut pas qu'être parti de bas où. Parce qu'il y a deux lots qui a construit là depuis bien longtemps, mais ça avec fond du Japon, ils ont très avancé dans eux, c'est lycée Marie-Jean avec lycée des jeunes filles. Maintenant, on ne peut pas qu'être toute liste, pas de ma part avant la non interview, pour éviter, donc tout d'abord, il faut qu'il y ait des données. Donc, même qu'on est quand pile l'autre lycée encore dans le pays, ça, et parce que vous connaissez dès le départ, ok? C'est une promesse de campagne, président et Jovenel Moïse Stéphane, qui respectait et l'idée de promettre pour gagner 15 000 nouvelles salles de classe. Donc, je dis à nous, quelle situation qui gagne avec Covid-19 là? Et écoutez, nous, l'école l'État, et il y a un pile de monde, et bien, je dis à, faut que l'État augmente le nombre de salles de classe pour les autres problèmes, et c'est ça qui a fait là, je dis à. Mm-hmm. Et par rapport à la situation qui vivait dans Jacmel, là, nous, Imagio, plusieurs secteurs dénoncé ça, les agressions, la police fait sous, on élève lycée, nous, on note ministère de l'Éducation nationale, mais de l'autre côté, les condamnés, violence qui a fait sous l'école, yo, ou même comme ministre de l'Éducation nationale, qui sont dit sous ça, particulièrement sous le dossier Jacmel, là? Bon, bien réveillé, ou c'est journaliste, tout pendant ce que vous avez regardé pour le comportement. Donc, on au niveau des élèves, dans ton pays, on au niveau des enseignants, bon, Jean Oudoyer, nous comptons regarder, moi, je vois l'image de tout sur les réseaux sociaux, et comment, et élèves là, qui sont agressifs à l'endroit des policiers, et moi, des policiers qui ont des gens, ils étaient très inactifs. D'accord? Donc, on ne va pas pourri condamner, sans pas qu'on vienne tout son cloche, ou de garder qu'on va prendre pour les élèves là, et pendant que les policiers ont fait travailler vous-même en tant que policier. Ok? Donc, nous sommes well. Donc, nous avons un groupe qui fait déjà dans la direction de la portale sud-est, et qui a gardé et cherché à jouer une question. Même d'où, dans Jacmel lui-même, c'est en zone, et notamment avec l'île de Péchinard. Et il est immédiatement, comme il est là, bien réuni,
et mon collègue Jean-Charles Simon Jacques Bell, on va le voyer lui professeur Lité Jacques Bell de China pour mal immédiatement pour avoir pour trouver tout non yo son lycée qui est trois professeurs parce que ça t'a gagné et puis budgétiser régulariser. OK, et me dou clairement que n'importe quoi qu'on analyse tant qu'à j'ai cerné ça va passer dans le lycée mais China Jacques Bell là. Mais j'aime dou tout c'est lycée ça son magaille qui reste annuel pour lui et depuis des décennies. Donc depuis le lycée ça là, c'est toujours le même pépétant. Donc par contre, qui s'accroche dans le caprété, moi-même après tout ça, je me trouve exactement. Donc chaque année, depuis un vendredi minuit, c'est toujours le même pépétant avec le lycée pétition. OK? Donc on va voir les enseignants qui sont là-dedans, ça a des chefs, ça a des temples, ça a deux chefs, ça a trois chefs, et puis ça a touché l'argent régulièrement dans l'État. OK? Et je dis à tout, l'instruction passe à toute direction de la totale pour rétablir l'ordre avec la loi dans le mail. OK? Avec la loi dans le mail. Parce que ce n'est pas possible. Bon, c'est des mondes même. Et je dis à toi, et bon, donc, Vérinel, on va quand même déplier tout. Il est vrai que notre travail, stop pour une nouvelle grille salariale pour tout le pays, notamment pour enseignants qui ont un statut particulier. Mais pendant ma parole là, actuellement, les Vérinel René, et bien depuis longtemps tout, c'est l'État qui est bon payeur dans notre éducation. OK? C'est l'État qui est mieux payé dans notre éducation en Haïti. Donc, les fonctions, c'était à cause de ça tout. OK? Côté, par exemple, dans une école privée, l'État, dans l'école privée, ils n'ont pas touché, sorti 30, rivé $80, ça dépend de qui à l'école là. Bon, nous connaissons deux, nous connaissons 500 gouttes, mais l'État payait leur couillot $120. Donc, ça veut dire 600 gouttes. OK? Donc, 600 gouttes, c'est ça, l'État payait de temps pour un cours. Donc, la question à parler dans la société, des fois, vous ne pas comprendre les situations. Donc, nous ne pouvons pas être bien touché. OK, même nous dans le pays d'Haïti, c'est l'État qui est plus bien payé dans notre éducation. OK, parce qu'on a un pays qui a une grille salariale qui est très bas. OK, donc on nous clairement peut-être pas même vous-même qui parlez comme journaliste, mais pour défendre ça, que c'est l'État qui est bien payé et l'État qui est 600 gouttes le non, certainement. D'accord, mais ça va me dire que mon Dieu bien touché parce que moi-même qui parle avant la bienvenue, nous sommes enseignants de carrière et maîtres pour des fois enseignants jusqu'à présent. Je m'a fait cours dans l'école. Okay? Même si je m'a fait tout pile cours de fait longtemps. Mais depuis 2017, je m'a fait deux bagailles. Je m'a jamais arrivé à abandonner la ville. C'est enseigner et puis écrire. Parce que je m'a fait un ministre qui est en. Je m'a publié dans deux semaines encore 26e livre. Mais pendant mon ministre, il y a quatre livres. Donc, je m'a fait un poste politique pour ce travail. Mais je m'a fait. Mais c'est des bagailles qui sont très nobles. Pour moi, je m'a fait la ville. Donc, surtout enseignant. OK? Donc, nous devons enseigner jusqu'à maintenant. Et nous n'avons pas comme capable de parler de moi-même. Nous devons protéger l'intérêt enseignant. Parce que nous devons mettre des enseignants. Nous devons parler d'un enseignant. Par rapport à la situation ça nous évoquait là matin et élèves qui dans la rue oui dans certaines régions à part de Jacmel tout y parlait nous de Saint-Marc qui dans la rue dans zone sud là tout oui pour salut donc et là et nous t'es déjà perdu on paquet toujours salle classe dans période de confinement est-ce que ça va affecter calendrier par exemple pour examen officiel le calendrier parce que l'État fait tout ça pour le faire, OK? Donc ça va pas affecter le calendrier, OK? Donc nous dit déjà faut que mon yo suspend mettez l'autre. Ça fait tout la province venons sur une direction de Atlantalio à 95% de quoi il a fonctionné. Cependant nous il était dans le schéma que parce que des attouchements qui des sur le